Excusez-moi de vous réveiller. Les années passent, la digestion se fait difficile. Oui, madame Judas. Pardon ? Oui, madame Daniel. L'esprit se refuse à admettre que les organes le trahissent. Nous vivons une époque impitoyable, il faut être lucide, Cruchot. Mais je me sens bien, moi, mon colonel. Garde-à-vous. Pardon. Garde-à-vous ! Rassemblez tous vos hommes ! J'ai l'air parler ! Demi-tour ! Halte ! Alors, hache ! Exécution ! Rassemblement ! Garde-à-vous ! Monsieur, le monde est en pleine évolution et nous impose un rajeunissement de l'effectif. Il nous faut désormais des hommes d'acier. Et sans vouloir vous vexer, on ne peut pas faire du neuf avec de l'ancien. Aussi, dans la perspective d'un repos bien mérité, vous êtes autorisé à faire valoir vos droits à la retraite. Certes, vous n'aurez plus le droit de porter l'uniforme, mais nul n'oubliera jamais le remarquable travail que vous avez fait ici. Et c'est pourquoi, outre vos 350 francs de pension mensuelle, il vous sera alloué exceptionnellement par homme et par hiver, pour services éminents rendus à la cité, un sac de 50 kilos de charbon. Garde-à-vous ! Oh, les gars, mais c'est la quille ! Je vous gâche ! Puisqu'on vous dit que c'est la quille ! Mais souriez ! Souriez tous ! C'est un ordre ! Des ordres maintenant ? Mon gars! Pardon, je... Mon gars!